suis arrivé au Mureaux, voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Certes, ce vivre ensemble ne se déroule pas toujours dans une harmonie parfaite. Ici, tout le monde, au-delà des origines de chacun, se parle, vit ensemble, partage et échange. Ou plutôt, devrais-je dire, se parler, vivre ensemble, partager ou échanger. Car cette intervention est d'abord celle d'un citoyen inquiet du délitement du lien social dans notre ville. Une ville qui a changé récemment. Depuis 2 ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit. Et j'insiste évidemment sur ce point, vous savez pourquoi. Inutile de préciser que j'attends toujours des nouvelles de l'autorité judiciaire plus de 2 mois après les faits. Une forme de repli communautaire et d'entre-soi que j'ai pu constater à plusieurs reprises. J'ai bien dit communautaire. J'assume ce mot qui pourra éventuellement en déranger certains. Aujourd'hui, je fais le constat qui m'attriste qu'être blanc, athée, non communautaire et gay au Mureaux, ça pose un problème. Je m'apprête à rendre mes fonctions. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis au revoir.